C'est merveilleux, tu es assis là, tu sais, c'est le plaisir. Quelle beauté, la présence de Dieu. Vous savez, moi, je suis un jeune chrétien, je ne suis pas vieux. J'ai fait l'expérience avec Dieu il y a 2 ans de cela. Ça faisait 1 an et demi que j'étais baptisé, et je partais en mission. Et puis, vous savez, en même moment là, je parlais de ça avec le frère, vous êtes tout à l'heure. On voyait la nature et j'ai été beauté. Vous savez, j'ai un garçon qui aime bien la pêche, la chasse. Quand je peux, j'y vais, je vais à la pêche, à la chasse. Et puis là, on est en plein été. On s'est dirigé vers la convention. Et puis, on était sur la région de Moulin. On est arrivé devant nous. Et puis, j'ai dit, tiens, je m'en vais à la pêche. Et puis, vous savez, moi, comme tous les chrétiens, je pense, souvent, je dis, Seigneur, aide-moi à faire des bonnes expériences avec toi. Et puis, je suis arrivé là, sur la région, et puis, je me suis dit, tiens, je m'en vais à la pêche. Donc, je montais dans la voiture. Comme je faisais d'habitude, je faisais ma canne, mes petites affaires, je suis parti. Et puis j'ai roulé, j'ai rien pris avec moi. Tout le monde va à la pêche, on prend pas grand chose, on a tout ça. J'ai roulé, j'ai fait beaucoup de kilomètres, j'ai fait 50 kilomètres de mon côté. Je suis tombé sur une petite rivière et puis je suis. Plein de petits chemins comme ça, de la campagne, il n'y a rien autour. Et je suis tombé sur un barrage, il y a un grand barrage, une grande cascade. J'ai dit, tiens, je vais pêcher là. Et puis j'ai tourné le dos, j'ai mis une affaire, vite, j'ai monté la canne, et puis je suis parti pour pêcher. En marchant, c'est bien. En travers la nature, là, je voyais la grandeur de Dieu. C'est mieux que de monter. Et puis, j'arrive pour pêcher, je dis non, je ne veux pas pêcher là. Je veux traverser. Il faut que je me penche sur un mur pour traverser. Quand je me suis penché, j'avais les clés de la voiture là, dans la poche en haut. Ils ont tombé dans la cascade. Il y avait plein d'eau, plein de courant, c'était un genre de barrage. Il y avait 4 mètres d'eau, je ne sais pas. J'ai vu les clés partir, j'ai vu, c'était dans les travaux, je suis. Et puis c'était comme si que moi, je n'ai pas grand chose pour certains, mais pour moi c'était grave. Je n'avais pas de téléphone. La voiture était vraiment arrivée. J'étais loin de chez moi, je ne savais même pas ce que j'étais. Où l'un j'allais, c'était la première fois de ma vie que j'allais. Et puis c'était compliqué pour moi, là j'allais, pour moi c'était grave. Et puis je m'en allais dans la voiture, je dis Seigneur, vous savez ce que j'ai fait? Je dis Seigneur, j'ai une prière, je n'ai pas dit le grand mot. Le problème, vous savez, on n'est pas de grand mot. Je dis Seigneur, sors-moi de là, je dis Seigneur, viens m'aider. J'ai dit juste ça, j'ai dit Seigneur, il n'y a pas qu'il veut faire quelque chose. Je savais qu'il avait prévu. Et puis j'ai dit, je marchais, puis quand en marchant, j'ai vu la 4 arriver. La 4-4 vert. Il est né là. Et puis j'ai dit, c'est bon, il y a des dangers. Non, je vais expliquer un peu. Je savais qu'il y avait des dangers quand il est né là. Et puis quand le 4 est venu, il est égaré. Ils ont descendu. Ils étaient 3 hommes. Il y en a 2 qui ont resté dans l'auto, puis il y en a un qui est venu directement sur moi, comme si il savait. Il est mis sur moi et puis il m'a vu un peu, j'étais un peu perturbé quoi. Il dit mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit t'es un chrétien? Je dis oui je suis un chrétien. Gloire à Dieu. Il dit nous on est trop chrétiens. Et là, à ce moment-là, je dis Seigneur, en moi-même, je dis Seigneur, je suis envoyé trop chrétien. Je dis Seigneur, j'ai merveilleux. Je dis dans ma tête, je ne crois pas chez moi. On s'en fout de la voiture, je vais marcher plus tard avec des garçons, puis c'est fini pour moi, c'est chez moi, c'est fini. Et vous savez, Dieu. Ce n'est pas les choses à moitié. Dieu, lui, il a eu beaucoup plus loin. Moi, je l'ai vu là, c'était moi, on était simple homme. Et puis moi, je l'ai vu là, et puis Dieu, il a eu plus loin. Il voyait beaucoup plus loin que moi. Moi, je pensais à rentrer chez moi, c'est fini. Mais vous savez, Dieu, il n'est pas les choses à moitié, il n'est pas les choses à 20%. C'est à 100%, Dieu. Tout le temps à 100%, 100%. Et puis, le monsieur qui était là, il dit mon frère, explique-moi comment t'as fait. Il dit, mais j'ai penché comme ça, j'ai pas pu l'écrire là-bas, comme ça, comme ça. Il me dit, mon frère, je vais te dire quelque chose. Il me dit que ta foi est la mienne. Tu prends ta canne et on va retrouver les clés. Je dis, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu. Il me dit, vas-y. Il me dit, t'as la foi. Je dis, oui, j'ai la foi. Il me dit, prends ta canne. Vous savez que je prends ma canne et puis j'avance. Et puis on parlait, je vais le couper au plus court. Hein. C'est long. Le temps va se passer. Bon. Et puis j'arrive au coin, j'y vais au coin, j'y suis là. Et vous savez, je vous détaille. Quand je pêche, je pêche pas un requin, vous comprenez? On ne met pas des hameçons comme ça, on met des petits hameçons, tout petits, à peine, le plus petit possible, pour pas que ça voie. Alors je suis là, je me dis un temps, et puis j'ai saigné comment on va faire. Et puis on se remet au bord du coin, et puis il me redit deux fois. Et c'est là que j'ai compris. Il me dit, tu sais mon frère, ta foi est la mienne. On retrouve les clés là. Je dis, vas-y, je tiens pour la carte, vas-y, jette dedans. Et puis là, il a acheté dedans, pour écouter. Et puis tout doucement, il a fait couler les crêpes, tout doucement, il ramenait. Et puis il était là, moi, il ramenait.
Et puis je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité. Il n'y avait que moi et lui, vous savez, il n'y avait personne d'autre. Il y en a qui pouvaient prêter de monter, mais je vous le dis en vérité que c'est vrai. On a retrouvé les flèches. Gloire à Dieu! Je ne peux pas vous expliquer comment c'était okay. Le moment là. Vous savez, l'Esprit de Dieu, l'enfant de Dieu est tombé sur nous. Je pleurais comme un enfant. C'est Dieu ça. On a passé un moment merveilleux, c'est pour vous dire, c'est ma chère, je pense à ça. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu ce soir. Le Seigneur va te répondre. Gloire à Dieu!